Salut les amis, j'espère que vous allez bien. Regardez-moi cette sublime DS3 en stage 1. Merde, j'ai déjà vendu la mèche. Merde. Merde, je voulais dire quand j'ouvrais le capot en fait. Ouais, ah, c'est pas grave. Thomas, comment tu vas? Ça va bien et toi? Bah écoute, super bien, grâce à toi. Donc tu nous viens d'où? De Nancy. Voilà, donc les amis, Nancy, Metz, Creswald. On est à Creswald pour ceux qui ne savent pas. Hein. C'est ça. Voilà, donc regardez ça, ce beau champ là. C'est beau Creswald, hein? Ouais, c'est beau. Hein. Tu m'as dit, jamais vu une route avec autant de ronds-points, j'en pouvais plus. Trop. On va revenir dans la vidéo. Thomas, qu'est-ce qui t'a fait acheter cette sublime DS3? De base, j'étais parti sur une Audi 1 pour une petite citadine, je voulais. Ouais. Puis, sauf que dans mon budget, Audi 1, déjà plus âgée que celle-là, parce que celle-là, elle est 2016 comme DS3. Ouais, elle est récente du coup. Hein. Et sinon, Audi 1, c'était plus dans les alentours de 2013-2014, avec pas beaucoup de kilomètres dans mon budget. Mmh. J'ai préféré prendre plus récent et plus optionné quoi. D'accord, ouais. Donc toi tu t'es dit mieux plus récent et plus optionné. Ouais, exactement. D'accord. Parce que ça fait 2 ans que je l'ai, pour la garder longtemps. Voilà, donc de toute façon après moi je trouve franchement, la config là, tu me disais en plus la couleur elle déchire quoi. Ouais non, la couleur, le gris shark, non, ça rend vraiment vraiment bien. Ouais. Donc ça c'est un peu la couleur de la sport ça en fait. Ouais, c'est la couleur, tu la retrouves sur la DS3 Performance et tu la trouves à partir des DS3 Sport Chic en finition, tu la trouves. D'accord. Shark. Et dis-moi à l'avant, est-ce que tu as fait des modifs? Moi je les vois mais c'est... Ouais. Plastique pas tout, deep, quoi. Plastique peinture, deep. Ouais. En noir mat, avant c'était chrome, j'ai fait ça. Ouais. Tout ce qui était chrome tu l'as passé en plastique deep. Ouais, en noir mat. Donc le DS en black, ouais, ça passe bien. Hein. Ouais, non, franchement, c'est top. Franchement, c'est top. Tu me disais, tu as un petit regret par rapport aux optiques. Ouais, les optiques, c'est les optiques des anciennes DS3, des anciennes phases. Les phases 1, plus c'est les mêmes optiques que les C3. C'est bien que tu dises ça, parce qu'au final, DS, à l'époque-là, c'est un peu la marque phare de Citroën. Quoi. Ouais, ils en ont vendu beaucoup. Ils ont vendu beaucoup de DS3, hein, je sais plus à combien d'exemplaires, mais... Du coup, ça, c'est une phase 2 de 2016 avec la nouvelle calandre. Il n'y a plus le logo Citroën. D'accord. C'est le nouveau logo. Donc là, c'est vraiment une DS. Ouais, c'est vraiment DS. C'est plus Citroën. C'est plus Citroën. DS. Voilà, c'est ça que je voulais mettre le DS. Point là-dessus. Du coup, des jantes en 17 pouces. Ouais, les jantes sont belles. Hein. Ouais, siglées DS. Le nom des jantes, c'est les Belones. Ça s'appelle comme D'accord. ça. D'accord. C'est en 17 pouces. C'est à partir de la finition Sport Chic que c'est du 17 pouces. Okay. Les autres finitions en dessous, tout ce qui est bichic, so chic, c'est du 16. Et là, c'est la finition qui est comme ça. J'avais une autre question. Ça, c'est pas d'origine, ça? Non, ça, c'est pas d'origine. Ça pouvait être d'origine à l'époque. C'était une option. C'était un kit déco, mais non, je l'ai racheté sur un site internet. En fait, ouais, t'as géré parce que l'or avec la couleur là, ça fait vraiment bien. Ça rend bien. Et là, le carbone, là, c'est aussi... J'ai acheté sur Wish, c'est des coques de poignée en carbone. D'accord. C'est avec du double face, ça se colle. Et puis, ça fait 2 ans que je les ai, ils ont jamais bougé. Barrés, hein. Non, pas bougé. Franchement, elles sont sympas. Hein. Ouais, non, franchement, c'est cool. Parce que sinon, c'est du chrome. Et je voulais pas le peindre, ça aurait été trop chiant. Et puis, ça serait ôté. Ouais, t'as fait le bon choix. Franchement, la pour coque, moi, je pense c'est mieux que la peinture. Parce que ça va moins, ça va plus rester dans le temps. Non, c'est vraiment un bon choix de ta part. À l'intérieur, tu as fait quelques modifs du coup? Ouais, à l'intérieur, juste le pommeau de vitesse. Parce que avant c'était une boule. Et pour les vitesses, j'aimais pas trop pour... Ouais, tu me disais, t'es plus à l'aise, c'est plus confort. Hein. Puis c'est plus petit et la prise en main est beaucoup mieux. Et c'est marrant parce qu'il est aussi en or comme ton DS3. Ouais, et tu me disais, t'as pas fait exprès en fait. Parce que c'était en promo sur Wish aussi, pareil. Et le Dark Vador là, c'est d'origine ou? Non, c'est pas d'origine. Celui-là, il bouge la tête quand t'accélères. C'est ça. Quand les routes sont mauvaises, ça bouge bien. Les amis, restez jusqu'à la fin parce qu'il y aura une petite surprise avec Dark Vador. Hein. Ouais. Je le sens bien, moi. À l'intérieur, il est sympa. Hein. Ouais, franchement, c'est cool. On vous mettra plein de plans, vous verrez, les amis. Franchement, c'est une belle caisse. Et puis aussi, les ressorts courts aussi. On profite comme on est sur les roues. Ouais, comme on est sur les roues, ouais. En moins 30 avant-arrière. Et en fait, c'est le bon compromis parce que d'origine, c'est super haut d'origine. Mm-hmm. Et du coup, j'ai décidé de passer en ressort court et back. Et c'est nickel. Et c'est ce que je te disais, en fait, j'ai pas remarqué au départ. Non. Ça fait pas trop rabaisser. Et au final, ouais, ça fit vraiment bien avec la bagnole. Bien, ouais. Tu m'aurais rien dit, je l'aurais pas vu. Hein. Ouais, ça fait vraiment d'origine. Ça fait vraiment. Ouais. Je pense que t'as bien fait. Parce que c'est vachement haut d'origine, c'est trop haut. La config comme ça, franchement, elle est sublime. Et les feux, j'aime vraiment bien.
Les feux arrière, ouais, ils sont travaillés, ouais. Ceux-là. Ceux-là, c'est les feux 3D, ça s'appelle. Cette fois-ci, c'est du LED. Ça, c'est les feux spécifiques à la phase 2. D'accord. Donc, en fait, j'ai pas les feux avant de la phase 2, mais j'ai les feux arrière de la phase 2. Elle a fait un mix. Bah, en fait, la dame qui l'avait avant, quand elle l'a commandé, elle l'a acheté neuve et elle a dû dire non, je veux pas l'option là. Et puis, du coup, ils lui ont pas mis. Moi, ce que je trouve sympa, c'est qu'il y a le petit rappel, ouais, du DS dans le phare. Petit rappel. Et le petit rappel aussi de quadrillé, comme sur la clé. C'est pareil que sur la clé, le petit, d'accord, rappel. D'accord. Ça, c'est toi qui as rajouté, rassure-moi. Ouais, ouais, c'est moi. Je croyais que c'était une électrique, j'ai eu peur. Je suis pas au courant, il m'a ramené un véhicule électrique. Comme je suis électricien, j'ai mis ça pour rigoler. T'as bien fait. Voilà. Puis aussi le groupe d'un pote. D'accord. DS3, DSV. Un groupe Insta. C'est un hashtag en fait où en fait toutes les personnes qui ont des DS3 ou même d'autres véhicules mettent ce hashtag là et on peut retrouver toutes les photos entre potes. C'est sympa ça. C'est un hashtag commun. D'accord. C'est un hashtag commun, du coup c'est cool. Donc voilà, pour les amis qui ont des DS3, n'hésitez pas, abonnez-vous. Ouais. Donc là, ça c'est d'origine ça? Non, en noir. Plastique, pareil que l'avant du Deep, en Deep, comme ça peut s'enlever si j'en ai marre un jour, si je veux la revendre, ça s'enlève. C'est sympa, ouais, le plastique. Ça s'enlève facilement, c'est pas de la bombe de peinture ou après faut... T'es pas le premier de la chaîne qui vient avec du plastique, ouais, je te rassure, et c'est un bon choix. Ça tient de ouf, hein. Je veux dire, il y a des gens, ça fait 5 ans qu'ils ont ça, ça a pas bougé en 5 ans. Ouais, ouais. Ça peut durer très longtemps. Et les deux doubles canules d'échappement, ouais, tu disais. Ouais, double canule, parce que de base, d'origine, c'est une 100 chevaux d'origine. Et les 100 chevaux d'origine, bah, en fait, ils ont qu'une seule canule. Et les 120 chevaux, ils ont deux canules. Et du coup, je voulais être comme la 120 chevaux. Et puis, ça fait plus joli, je trouve, deux canules. Du coup, j'ai rajouté ça. Et du coup, tu mens pas tellement, vu que t'es reprogrammé. Non, voilà. Quand je suis reprog, bah, on dira après là, les chiffres que ça sort. Bah du coup t'as pas triché avec les doubles canules. Non non non, c'est pas de la triche. Donc voilà le stick, je te laisse faire le tour du véhicule. Pendant ce temps là Thomas, ouvre moi le capot moteur. Comme ouais. Ça on pourra parler de la puissance et voir la bête. Donc on va d'abord parler de la puissance d'origine. Je sais pas ce que t'en penses Thomas. D'origine c'est un 1.6 Blue HDI. La petite barrette qui fait plaisir. La petite barre. Hop. Hop. D'origine, c'est un 1.6 Blue HDI de 100 chevaux et 254 Nm de couple. Mm-hmm. Du coup, je l'ai passé en stage 1 et là, elle est à 135 chevaux pour 330 Nm. D'accord. Donc là, ça envoie. Ça envoie. Ça envoie surtout sévère, au niveau des 330. Ouais, le couple du diesel, il doit bien. Ça a de la patate. Hein. Ouais. Bah, j'ai hâte d'essayer ça. Qu'est-ce que t'en penses? On va faire un tour avec. Allez hop, c'est parti les amis, à tout de suite dans le véhicule. Donc voilà les amis, là on est à l'intérieur du véhicule. Donc Thomas il va nous faire un petit démarrage bien, fait plaisir, bien épicé. Bien épicé comme on dit. On sent qu'elle est reprogrammée. Voilà, de toute façon, au-delà, après, on va pas prendre des risques inconsidérés. Ouais, tu peux passer par là, Thomas. Ouais, nickel. Donc, on voit, les amis, le petit volant qui fait plaisir, là. Franchement, il est beau, le volant. Hein. Non, franchement, avec le petit méplat, là. Franchement, il est sympa. Hein. En plus, c'est pas à la base, tu peux faire le tour du rond-point, là, tu suis d'Acia. À la base, entre guillemets, même si c'est une finition sport, c'est pas la vraie sportive. Donc je trouve que le volant, il est vraiment bien taffé. Quoi, hein. Ce qui est drôle, c'est que le volant là, tu le retrouves sur les C3 de 2015, tu le retrouves le méplat. Sur des C3, tu le retrouves. Ah ouais. Alors, ça, je savais pas, tu vois. Tu les retrouves. Franchement, il est sympa le volant. Ah ouais, il est sympa. Toi, bah, tu me disais à la base, tu voulais acheter une A1. Ouais, puis tu t'es. Ouais, tu t'es. Ouais, parce que là, j'ai Apple CarPlay dessus. Du coup, je peux mettre Waze. Je peux mettre pas mal de choses, quoi. Tu peux prendre par là, Thomas. Ouais. Du coup, je peux mettre pas mal de choses dessus, les SMS, les appels, etc. Ouais. Et du coup, voilà, quoi. Puis surtout, la caméra de recul est essentielle à Nancy, quoi. Oui. En ville. Oui, oui, c'est clair. La caméra de recul, c'est cool, quoi. Parce que les petites places et tout, c'est pratique, quoi. J'avais une autre question encore. Est-ce que tu as des projets encore pour cette voiture-là? Pour l'instant, Jeep,
peut-être les vitres teintes à l'arrière, un peu plus foncées. Ouais, c'est vrai qu'elles sont déjà teintées d'origine. D'origine, elles sont déjà teintées et c'est le seul projet pour l'instant. Après, je la trouve parfaite, hein, en slagène, elle est vraiment bien. Bah, c'est mon daily, j'ai pas envie d'en faire de trop. Puis voilà, ça fait déjà 2 ans que je l'ai eu en jeune conducteur. Franchement, elle est top. Donc, du coup, ouais, ça fait le ressenti depuis que tu l'as. Bah, t'as des reproches à lui faire ou... Non, pas trop, à part la place dans le coffre quand on doit faire des grandes courses, etc. Oui, après d'ailleurs on n'a pas ouvert le coffre, mais bon, j'avais vu, après ça va. Ça va, c'est le coffre d'une citadine, quoi. Oui, voilà, c'est ça. Non, mais c'est un véhicule qui est vraiment sympa. Après, par la suite, maintenant que tu as celle-ci, tu voudrais partir sur quoi? Je sais que tu parlais de la 1-1 au départ, mais je pense que maintenant ça serait autre chose. Ça va plus gros. Plus gros du coup? Plus gros, peut-être. Je sais pas. Soit un SUV ou soit une berline, mais vraiment plus tard quoi. Ok. Alors, tu vois là, t'es en 4-1. Moi je suis en 4-1, ça part bien. Tu sens qu'elle est reprogrammée quoi. Oui. Faites-toi d'origine, tu l'as trouvé molle en fait au départ. Si tu as une conduite un peu sportive. Oui, du fait tu rajoutes pas mal de coupe quand même. Mais sinon niveau moteur ça craint rien. Non, c'est clair, franchement. Mais c'est le jour et la nuit, ça c'est clair. Hein. D'origine c'est assez mou. Tu peux faire tout le tour du rond-point. Hein. D'origine c'est assez mou quand même, d'origine. Oui. Mais là c'est vraiment le jour et la nuit. Ouais, tu fais le tour. Hein. Ah ouais, le tour. Ouais, le tour complet, ouais. Donc d'origine c'était mou, pour toi tu t'es dit il me faut une reprogrammation moteur. C'est juste pour doubler plus rapidement. Là, tu peux sortir là. Doubler plus rapidement. Voilà pour le fait ça. C'est quand même pas mal hein, franchement. Ouais non franchement ça marche bien. Plus là on est quand même 3 dans la bagnole. Ouais 3. Ouais. Quand je suis tout seul en voiture, ça. Tu sens que c'est un peu plus léger, que ça fait un peu plus karting. Mais même à 3 dans la voiture. Là le fait que tu aies quand même rajouté les suspension, ça aide aussi hein, à la tenue de route. Ah, ça aide bien. Tu sens la différence, c'est chouette. Donc ça, c'était les deux modifs qui étaient impératifs pour toi, le châssis et le moteur. C'est ça. Et surtout, ce qui est bien, c'est que, comme je dis, le Michelin, c'est vraiment trop haut. Là, ça lui donne une bonne gueule et puis même niveau tenue de route, c'est top. Honnêtement, moi, j'ai toujours bien aimé les DS3. Après, dans la config à toi, je valide tout de suite. Après, j'ai toujours, c'est que mon avis, hein, en blanc ou en truc comme ça. C'est trop. Ça fait un peu trop glow up, tu vois, ça fait femme. J'ai un peu plus de mal. Mais la config que tu as là, elle est magnifique. Quand tu m'as envoyé les photos là, Thomas, j'ai dit, Ouais, non, mais c'est ça qui est dommage avec les DS3, c'est qu'on dirait que c'est fait plus pour une communauté, on va dire, plus féminin, parce qu'ils ont ajouté plein de couleurs un peu. Qui dénote quoi. Ouais. Disons, ils l'ont fait en noir et rose, ils l'ont fait en bleu très très fin, on va dire. Et c'est pour ça que des confis vraiment full black sur la route, t'en trouves très peu quoi. Ouais, là comme ça, la couleur elle est magnifique. Ouais. Donc Thomas, tu me disais quoi comme voiture alors la prochaine? La prochaine, berline ou SUV. Tu veux pas lâcher le morceau, hein? Ouais. C'est le voiture plus puissant, mais tu veux pas dire ce que tu veux prendre. Mais t'as raison, garde-le pour toi, tu pourras revenir sur la chaîne avec, t'inquiète. Ah, je sais pas ce que je veux prendre. J'ai toujours kiffé X5, tu vois. Ouais. X5. Et là, ça serait pas du tout le même gabarit. X5 ou Audi A4, mais vraiment quand je serai un peu plus âgé, quoi. Oui, pas tout de suite. Là, t'as envie de te faire bien la main là-dessus. Je suis jeune, j'ai 22 ans, mais plus tard. Parce que c'est vraiment la place dans le coffre qui m'énerve, parce que moi je fais souvent des grosses courses des fois, et c'est vrai que des fois tu t'arraches un peu les cheveux. Ah oui, t'es obligé de baisser la banquette, etc. Tu peux faire le tour du rond-point là. C'est trop chiant. Donc ça c'est le vrai point négatif de la voiture, mais sinon c'est vrai que c'est une bonne voiture, hein. Franchement,
Après la config, comme je disais, ben là c'était là, mais c'est pas grave, comme je disais, un petit tour de rond-point des familles. Comme je disais, la config elle est top. Ouais, non, elle est top. Et après, je trouve ça, c'est là. Je trouve que DS3, c'est DS, c'est une marque à part et je trouve qu'ils font bien les choses. Ouais, non, franchement, ils font bien les choses. Et puis, franchement, elle marche fort. Hein. Ouais, non, franchement, elle est bien. Et puis, pour un jeune conducteur, ça se manie assez bien. Un peu comme une C3. Et franchement, non, c'est top. Quand t'as ça, quand t'as ce genre de véhicule en jeune conducteur, c'est. Ah ouais, non, franchement, c'est le top. C'est le top. D'ailleurs, les amis, restez jusqu'à la fin parce qu'on va vous faire des petits drag race qui fait plaisir. Vous verrez comment que ça marche fort. Hein. Donc, à tout de suite, les amis. Et on se revoit devant les véhicules. Ah, je fais des squats, les gars. Voilà, les amis, place au drag race. Donc, on a la voiture à Thomas. Je suis en train de me battre avec une guette. Qui fait 135 chevaux et 320 Nm, c'est 330. Ça 330. Putain, merde. 330. Et là, on a la Hyundai i30 qui fait 140 chevaux et 250 Nm. Elle a un avantage, pas les chevaux. Mais la boîte auto. La boîte auto. Moi, je dis pas que je vais gagner. Hein. Mais la boîte auto, j'ai vu, ah. Tu as vu la Golf 5 GT Emmanuel VSDSG. Ouais. Moi, j'ai vu celle-là. Tu vois, la boîte auto, ouais. C'est, bah, c'est quand DSG, elles sont bien hein. Travaillées, ouais. Elles font la diff. Et celle-là, c'est vrai. Elle marche fort aussi. Ah, mais la tienne, elle marche bien. Hein. Donc, je sais pas. On verra. Les amis. Ouais, rendez-vous dans 2 minutes. Allez hop, c'est parti Thomas. Donc les amis, j'espère que le drag race vous aura plu. En tout cas, on a bien kiffé. Ouais, qu'est-ce franchement, pense, top, top. Moi, ça m'a top. Fait vraiment plaisir de t'avoir aussi. Sur la chaîne. Bah, c'est grave cool, merci à toi. Tu reviens quand tu veux. Il n'y a pas de souci. Bah, voilà, t'as déjà... Moi, je te demandais 15 fois dans la vidéo, mais c'est quoi ta voiture, ta prochaine voiture? Tu voulais pas le dire et t'es venu avec un t-shirt BMW. Ah, ça pouvait c'était être qu'une BMW. Hein. C'était ça. Voilà. Donc les amis, on le reverra dans quelques années peut-être. Ouais. La chaîne sera toujours là. D'ailleurs, abonnez-vous. Hein. Mettez des petits pouces bleus, ça me fera plaisir. Et à la prochaine. Ciao, ciao.